Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un frère qui recherche dans le coin une vieille qui avait 11 ans en 1957 et qui était orpheline. Charles Doumingue, 69 ans, célibataire. Il a de la thune? Pourri, pourri. Ça te dérangerait de te rhabiller, Louise? 7e fortune du pays, tu te rends compte? Je leur dis que notre département recherche de descendance, dirigé par Corinne Beaujard, clerc de notaire, peut s'occuper du dossier. Cool, on va se faire de la bonne caillasse. Bah, faut d'abord la retrouver. Vu la photo, ça m'a surtout l'air d'être une belle petite garce. T'auras ta soupe quand t'auras cherché Louise Radiguet. Si elle peut me retrouver ma petite Louise avant que je ne casse ma pipe. Louise Radiguet. Mais comment c'est possible d'être nulle part comme ça? Elle est morte, cette vieille. Bah, ça va. Eh bah, si elle est morte, parce qu'il veut un héritier, on n'a qu'à lui en trouver un. Et qui va être l'héritier? Oh non, je te vois venir. Non mais en plus, maman, tu t'appelles Louise comme elle. Et vous trouvez pas ça malhonnête? Bah non, franchement, non. Mais tu vois mal partout, maman. Ma nièce, elle est où? Elle est là, avec toute sa famille. Quel miracle de t'avoir retrouvée. Je sais ce qu'on va faire. On va organiser un voyage en Nouvelle-Zélande pour vous tous. Non, non, attendez, on arrête. Moi, je peux pas. Je vais tout vous dire. Qui c'est qui a touché à quelque chose? Tout à fait, ils étaient emballés. Tu vas rendre cet argent, Elodie. On l'a volé, c'est pas à nous. Bah Louise était bouleversée. C'est n'importe quoi, hein. J'appelle Corinne tout de suite pour arrêter ce bordel pendant qu'il est encore temps. Putain, c'est le vieux. Je crois que j'ai mal choisi mon moment pour faire une surprise. Ah, Louise.